Christine. Bonjour Florence. Merci de m'accueillir chez toi. Alors sur la cible, j'ai pensé à quelque chose, la cible solo. Je ne sais pas quel est ton avis. C'est vrai que c'est assez particulier, ça n'a jamais été travaillé. C'est vrai. Ben, écoute, je pense qu'on va regarder ce que tu as préparé et puis on va voir ensemble quels sont les besoins de la cible solo. Et comment on répond justement à ces besoins en travaillant les facteurs clés de succès. Par l'aspect design, etc., je trouve que ça peut vraiment plaire à une clientèle de dames voilà, passionnées qui viennent découvrir la région. La socialisation aussi, on n'est pas très loin en tant que hébergeur, et ça peut être un moment et pour discuter et échanger et ne pas se retrouver seul. Sur les besoins, effectivement, on a sortir de l'isolement, mais en mineur selon certaines personnalités. Et je me dis que peut-être se retrouver seul au restaurant, c'est peut-être pas trop sympa, enfin, on n'a pas forcément envie de ça. Peut-être que dans tes connaissances, on peut peut-être prévoir de faire livrer un petit repas à la maisonnette, ici chez toi, et se retrouver pour lire un bon bouquin au coin du feu. Et bien super, tu vois, l'offre se construit peu à peu. Voilà, je suis contente. Le dernier point sur le rapport qualité-prix, rien n'est plus déplaisant de se trouver face à une offre. Et à chaque fois, on voit un prix pour deux personnes. Quand on est solo, effectivement. Une déception. Voilà. Ouais, hein? Tout à fait. Allez, on valide. Ça va bien? Ouais. D'accord.